Pour postuler à l'entrée en Master 1, vous devez créer un dossier sur la plateforme monmaster.gouv.fr. Après un rapide questionnaire pour vérifier votre éligibilité à la candidature, voir notre vidéo sur la plateforme et le calendrier, vous pourrez créer votre compte. Une fois votre dossier créé, vous trouverez des rubriques à compléter. Vous pouvez voir un point d'exclamation à côté des rubriques qui restent à remplir. Ces informations seront communes à l'ensemble de vos candidatures. On vous demandera vos données personnelles, nom, prénom, âge, lieu de naissance, votre numéro INE, disponible sur votre relevé des notes du bac ou votre certificat de scolarité, des éléments sur votre baccalauréat, sur vos années d'enseignement supérieur, avec potentiellement vos moyennes au semestre. Et on vous demandera de téléverser vos relevés de notes annuels et officiels sur la plateforme. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre scolarité dès à présent pour pouvoir avoir ces documents. Votre dossier comprend également des éléments sur votre expérience professionnelle, que ce soit les stages, si vous en avez fait, ou d'autres expériences. On va également vous demander un CV, et ce CV sera disponible pour l'ensemble de vos candidatures. Il va donc falloir adapter un CV qui va pouvoir coller à l'ensemble des masters que vous souhaitez entreprendre. Pour vous aider dans la rédaction de votre CV, n'hésitez pas à vous reporter au livret que nous avons créé à ce sujet, à savoir comment rédiger un CV et une lettre de motivation, mais également notre livret sur les candidatures en master, ou à rencontrer un conseiller d'orientation qui pourra vous accompagner dans cette démarche. Dans votre dossier, on va également retrouver des éléments pour les sportifs de haut niveau, les artistes confirmés, les étudiants en situation de handicap ou si vous souhaitez effectuer une année de césure. Ces éléments-là ne sont pas accessibles tout de suite à la commission d'examen des vœux. Ils ne seront disponibles qu'à partir du moment où vous validez définitivement le souhait de rejoindre le master si vous avez été admis, donc cela n'aura pas d'incidence sur votre candidature. Pour information, les jurys n'ont pas accès à votre liste de vœux, ils ne seront informés que de votre candidature dans leur formation. Une fois vos rubriques complétées, un pictogramme vert apparaît, vous pouvez passer aux candidatures. Pour tout savoir sur le nombre de candidatures, n'hésitez pas à regarder notre vidéo concernant la plateforme et le calendrier. Les formations auxquelles vous candidatez vont vous demander des documents supplémentaires ou complémentaires à la discrétion des responsables de formation. En général, il s'agit d'une lettre de motivation, mais en fonction des spécialités du master, il peut y avoir d'autres pièces comme un certificat de langue, un projet de recherche, répondre à quelques questions, les résultats d'un test, une lettre de recommandation ou encore des attestations d'expérience professionnelle. N'hésitez pas à voir ou à revoir notre vidéo « S'informer sur les masters » pour découvrir l'ensemble des documents qui peuvent vous être demandés lors de vos candidatures. Nous vous conseillons pour l'ensemble des documents de les mettre au format PDF pour éviter tout souci de mise en forme ou d'incompatibilité de logiciel. Si besoin, n'hésitez pas à utiliser un logiciel pour fusionner plusieurs documents PDF ensemble.